Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo retour de course. Attendez, je vais fermer parce que je parle trop avec les voisins maintenant de parler. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et liker et partager ma vidéo si vous aimez mes vidéos. Il faut partager parce que c'est grâce au partage et aux abonnements que je peux réussir à faire beaucoup plus de vidéos et avoir du temps pour YouTube. Donc, si vous aimez ma vidéo, commencez par vous abonner et liker. Donc là, c'est parti. Tout à l'heure, j'ai déposé bébé Aïdou à la crèche. Il est 11h20. J'ai déposé bébé Aïdou à la crèche à 9h. Ensuite, je suis allée chez grand frère faire 2-3 courses. Et vu que chez grand frère, ils ne vendent pas de lait, ben, je suis allée chez Carrefour après. Donc, j'ai fait des courses grand frère et Carrefour. Au total, j'en ai eu pour une centaine d'euros. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Et aussi, peut-être à la fin de la vidéo, pas peut-être, c'est sûr, à la fin de la vidéo, je vous laisse avec des recettes de tout ce que j'ai acheté. Du coup, chez Grand Frais, on va commencer par les framboises. J'ai vu les framboises, c'était vraiment pas cher. 1 euro les 125 grammes. Comme vous savez, mon petit bébé, il est fan des framboises, il adore ça. Et moi aussi, j'aime bien les framboises, mais bébé Aïdou préfère beaucoup plus les framboises que nous. Du coup, j'en ai pris 3 et j'ai eu pour 3 euros. Voilà. J'ai acheté aussi concombres parce que j'en ai plus. J'ai acheté des copeaux de parmesan pour chaton, pour mettre dans sa salade. Souvent, c'est quand je fais la salade, je ne sais pas à quoi, mais elle aime bien avoir un peu de fromage dans ses salades. Donc, du coup, j'ai pris des copeaux de parmesan. Ensuite, j'ai pris des clémentines. Mon petit bébé, il aime ça. Donc, j'en prends toujours plein. J'ai pris un peu de kiwi parce que c'est la saison et que chaton, il aime bien les kiwis. Moi, avant, les kiwis me grattaient en fait dans la gorge. Mais maintenant, j'arrive à manger. Depuis l'année dernière, j'ai commencé à remanger les kiwis. Sinon, pendant tout mon adolescence. Non, pendant mon adolescence, j'en mangeais. Après, quand je suis rentrée dans l'âge adulte, eh bien, ça ne passait plus. C'est comme l'ananas. L'ananas, je ne peux pas manger parce que ça me gratte, en fait. Et les kiwis, eh bien, en ce moment, j'arrive à manger. Donc, du coup, je vais essayer cette saison pour voir si c'est bon ou pas, si ça passe. Mais je sais que mon petit bébé, il aime bien les kiwis aussi. En général, mon petit bébé, il aime bien les fruits. J'ai acheté aussi le citron. Les kiwis, je ne sais pas combien ça m'a coûté. Je crois que ça a dû me coûter 2,50€, un truc comme ça. Ça m'a coûté 2€ quelque chose. Et ça, je sais que c'est 3€. Et les citrons, 2€ aussi, le citron vert. De Mexique. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la dorade. J'aime trop la dorade. Je pense qu'on va manger ça avec le reste du riz qu'on a. Parce que j'avais fait du riz aux légumes. Du coup, je pense qu'on va manger avec le reste du riz aux légumes qu'on a offert. Le saumon. C'était pas très cher, c'était en promo parce que du coup, vu que ça périme dans 3 jours, eh bien, c'était en promo, donc j'en ai profité, j'ai pris. Du coup, c'est à 4,25€ et là, ça me coûte 6,32€. J'ai eu pour 11€ pour les 2,5. Ensuite, j'ai pris quelques tomates comme ça. J'ai pris des tomates cerises aussi pour la salade de chaton. Yaourt grec, pour moi, j'aime trop, c'est super bon ça le matin ou le soir. Du citron parce que quand j'ai fait la vinaigrette pour mon chéri, je lui mets toujours du citron. Il aime bien les vinaigrettes à base de citron. J'ai oublié quelque chose, la moutarde. J'ai plus de moutarde. Je voulais en acheter, mais j'ai complètement zappé. Et la sauce soja parce que j'en ai plus. Sauce soja salée, bien sûr. Tiramisu tout seul comme ça pour pouvoir pour goûter, pour savoir si c'est bon ou pas. Donc chez Grand Frais, j'ai eu pour 33,75€. Tout ça. Chez Carrefour, j'ai acheté. C'était pas prévu de base, mais j'ai acheté des cuisses de poulet halal parce qu'il y a ma petite soeur qui va venir manger à la maison avec son mari dans 2 jours. Jeudi, ils viennent manger à la maison parce que là, aujourd'hui, on est mardi. Donc, ils viennent manger jeudi à la maison. J'en ai pris plein. Je vais mettre la moitié au congèle et je garde la moitié pour dimanche. J'ai acheté aussi des oignons chez Carrefour parce que les oignons comme ça, c'est pas très cher. Je crois que c'est 2€. Les patates pas trop chères à 1€ pour faire le gratin parce que je vais faire le gratin accompagné de poulet jeudi quand ma petite soeur va venir manger avec son mari. Alors, on va mettre les légumes ensemble. Tout ce qui est prêt, on met ensemble. Ça va au frigo. Au frigo. Et ça, c'est. Ensuite, ma petite soeur, elle m'a demandé des collants. Du coup, je lui ai pris des collants basiques à 1,20€. Alors, on voulait 2 paquets. Il y en a 6 au total. Et j'en ai profité pour m'en prendre aussi pour mettre avec les robes, les jupes et tout. Pas très cher, hein. Ben, c'est des collants que tu sais que tu vas porter 1 ou 2 fois et puis c'est fini. Parfois, ça peut arriver qu'on porte 3-4 fois quand même, si on fait très attention. Ensuite, j'ai pris des œufs parce que j'en avais plus. Les œufs, comme vous savez, je m'en sers souvent pour la salade, pour faire des gâteaux. Souvent, je fais des gâteaux pour faire mes pancakes, des muffins, pour tout quoi. Parce que je mange des œufs, des omelettes. J'ai acheté des tétines pour bébé chaton parce que vu qu'il me perd tout le temps ses tétines, je préfère en avoir au cas où il me perd la tétine qu'il a actuellement. Il faut juste que je commande des attaches tétines. J'ai vu qu'on a vendu sur AliExpress avec son prénom qu'on peut personnaliser. Je vais essayer de commander et je vous dirai si c'est bien ou pas.
Ensuite, ça c'est quoi? Ah, j'ai pris des champignons à farcir. J'en ai pris 3 parce que je vais faire pizza aux champignons de pizza au chorizo avec des champignons dessus. J'ai pris les yaourts pour bébé d'amour. Le beurre pour faire à manger. Pâte à pizza parce que j'ai trop la flemme de les faire. En ce moment, j'ai la flemme de faire tout ce qui est genre truc hyper long à faire. Parce qu'en fait, la pâte à pizza, quand tu fais, il faut laisser poser. Après, tu reprends, tu retravailles. Et du coup, ben, mon chat, il est en train de jouer, je ne sais pas avec quoi. Et du coup, ben, vu qu'en ce moment, j'ai pas trop envie de faire tout ce qui est pâte et tout, ben, j'achète déjà prêt. Tout ce qui est pain, pâte, je ne me sens pas de faire, donc j'achète déjà prêt. Fromage râpé pour le gratin et aussi pour la pizza. Comment on appelle ça? La feta pour en mettre un peu dans les salades à chaton et aussi pour la pizza. Je vais utiliser la moitié pour la pizza. De la crème fraîche entière, j'en ai acheté pour le gratin et le reste, je vais l'utiliser pour faire un gâteau pour chaton et un genre de layer cake. Un genre de layer cake. Je vais faire un layer cake chaton à base de framboise. Et du coup, il me fallait mascarpone et crème fraîche pour faire la chantilly parce qu'il aime trop les layer cakes à la framboise. Donc, du coup, je vais le faire dans la semaine, je ne sais pas quand. Et mozza pour chaton. Voilà. Je crois que c'est fini. Chez Carrefour, j'en ai eu pour 61,44 €. Donc là, au total, j'en ai eu pour 97 €. Voilà. Pour tout ça. Ah, je voulais vous montrer. J'ai acheté aussi du lait pour le Baldou. 2 x 24. Je préférais en prendre 2. Comme ça, au moins, je n'ai pas à retourner dans 2 semaines chez Carrefour juste pour le lait. Je n'ai pas envie d'être en manque tout le temps. En rupture à la maison. Donc, du coup, je préférais en prendre 2. Et vu qu'on va partir là, je pense que ça va être pour 2 semaines, les 2. Je ne sais pas trop, ça dépend. Quand Eden, il est à la maison, il boit beaucoup de lait. Mais quand il est à la crèche, du coup, il en boit le matin, le soir et de temps en temps dans la nuit. Ça dépend s'il a mangé ou pas la nuit. S'il n'a pas mangé avant de se coucher, il va boire un bibi en pleine nuit. Et s'il mange bien avant de se coucher, il boit un bibi avant de se coucher et il boit le bibi que le lendemain. Donc, du coup, ça ne fait que 2 bibis par jour. Donc, il a soit 2 bibis par jour, soit 3 bibis par jour. Ça dépend. Je vais ranger tout ça et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo recette. Jusqu'à ce que le robinet a tout qui s'est renversé pendant que je me tressais. Non, bébé, s'il te plaît. Ça ne te va pas, on dirait. Si, ça me va.
Par contre, ce que j'ai besoin, il faut me le donner. Bah, c'est là. Viens. C'est joli, l'image. C'est quoi que t'as broyé? C'est pas mal? Ouais, avec l'ail. Ça sent bon? Ça vient d'une recette de pizza? Ouais. Et, et ça, ça va être bon, je pense, les fromages de brebis avec? Ouais, sur la pizza. Je mets le fromage râpé, puis je remets rajoute le fromage de brebis en petit cube, genre j'ai le coupe un peu. Il aime ça, lui, le saucisson et le chorizo. Ouais, je sais. Franchement, mais comme son père. Fais-le vite avant que ton fils il mange tout. Ouais, mais non. Au début et je pouvais m'entraîner pour faire ça.